Bonjour, je vous présente aujourd'hui cette caméra de conduite. Il s'agit du modèle M6 Plus. Donc la caméra, elle est livrée avec les différents éléments que vous pouvez trouver ici. Alors, elle possède donc sur la face avant un capteur grand angle à 140 degrés qui est capable de faire des vidéos en résolution 2560 par 1440 pixels à raison de 25 images par seconde. Elle est compatible Wi-Fi, donc on va pouvoir la piloter avec son téléphone portable à l'aide d'une application compatible Android et iOS qui s'appelle DDPAI et que l'on va pouvoir trouver dans différentes langues, notamment en français. Et donc on peut modifier les paramètres de la caméra depuis cette application. La caméra, elle incorpore des haut-parleurs à l'arrière et au milieu on a une petite trappe qui donne accès à la carte micro SD qui n'est pas fournie et on a un petit bouton pour faire un reset de la caméra. Sur la partie supérieure, on a trois LED qui vont indiquer le bon fonctionnement de la caméra, le fonctionnement de l'enregistrement et le fonctionnement du GPS. On va avoir en dessous un support aimanté qui va permettre de relier la dashcam à son support lorsqu'on va la fixer sur le pare-brise et après on va alimenter donc la dashcam par la petite fiche micro USB qui est située à l'embase du support à l'aide du câble qui est fourni. Donc ce câble, d'un côté c'est un micro USB, de l'autre c'est un USB. On va donc le dérouler dans l'habitacle de la voiture. Pour le rendre le plus discret possible, on va utiliser les petits guides qui sont fournis, il y en a 5 au total et qui sont adhésifs. Donc ça c'est pour une installation discrète. Et on va se brancher sur le bloc allume-cigare qui est également fourni. Donc on remarque qu'il y a deux entrées, une entrée 1 A en haut, une entrée 2,1 A en bas. C'est sur l'entrée du bas qu'il va falloir se connecter. Pour la fixation sur le pare-brise, eh bien c'est traditionnel. On va utiliser une bande adhésive qui est fournie. Il y en a deux d'ailleurs qui sont fournies. Et le jour où on va vouloir retirer tout ça, eh bien on a deux petites raclettes qui sont livrées. Enfin, on a une petite télécommande pour une prise de commande à distance de la caméra. Voilà, le tout est livré dans un carton au packaging soigné avec des tons plutôt gris anthracite brillant. La caméra a plutôt un design premium, que ce soit au niveau des accessoires fournis, au niveau des du packaging, des fonctionnalités proposées. Après, au niveau des caractéristiques techniques sur lesquelles j'aurais peut-être pas encore parlé, donc j'ai indiqué tout à l'heure qu'il y avait une connectivité Wi-Fi, j'ai pas parlé du GPS intégré, il y a également un G-Sensor. Au niveau de l'encodage, c'est ce qui se fait actuellement, donc on est sur le codec H264. L'ouverture du capteur est à 140 degrés. Au niveau de la mémoire intégrée, eh bien, il y a 256 mégas de RAM. Et la dashcam est capable de faire des photos avec une résolution de 2592 par 1520 pixels. Voilà, au niveau des points positifs, je viens d'en parler, le packaging je le trouve soigné, le design de la caméra premium. Le GPS incorporé est un plus et j'apprécie que la caméra soit aimantée sur son support. Par contre, et ça c'est un point négatif, j'aurais bien aimé qu'on ait un système de fixation par ventouse et non pas par adhésif. Il n'y a pas de traduction française de la notice. Alors la notice elle se trouve dans ce petit carton là, elle est traduite en chinois et en anglais uniquement. Et je déplore l'absence d'autres alternatives d'alimentation puisque moi j'aurais bien aimé qu'on puisse alimenter la dashcam directement dans le bloc à fusible qui est situé dans l'habitacle du véhicule pour laisser libre le bloc allume-cigare. Voilà. Au niveau des améliorations, j'aurais bien aimé que cette caméra soit fournie avec une caméra arrière, ce qui aurait permis de faire des captures à la fois sur le devant du véhicule comme à l'arrière. Je vous propose dans une deuxième partie de vidéo de voir ce que l'on obtient en termes de rendu d'image avec cette dashcam M6 Plus. A tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de vidéo de cette review de caméra embarquée Bob Love M6 Plus. Je suis actuellement sur une route dégagée, donc un temps estival, 18h15,
et on va alterner entre des portions de route ensoleillées, des portions de route ombragées, ce qui va permettre de se rendre compte un peu du rendu que l'on peut obtenir avec cette caméra embarquée. Au niveau des paramètres, j'ai réglé cette caméra sur la résolution maximale vidéo, donc on est en 2K. Et le son que vous pouvez entendre est celui qui est capturé directement par la dashcam. Pour le positionnement, elle est tout simplement fixée sur son support qui est lui-même collé sur le pare-brise du véhicule et la caméra est alimentée sur le port allume-cigare. La carte insérée est une carte micro SD de 64 Go formatée en FAT32, une carte sans disque, entrée de gamme, qui est largement suffisante pour être détectée par le matériel. Alors là c'est plutôt intéressant puisqu'on est maintenant dans une zone ensoleillée, puis là on rentre à nouveau dans une zone d'ombre, ce qui permet de se rendre compte si l'on a des traînées vertes. Ça a déjà été le cas avec des dashcam que j'ai pu tester par le passé, et en l'occurrence on se rend compte que celle-ci n'a pas ce type de problème et offre un rendu visuel tout à fait honorable. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné un bon aperçu de ce que l'on peut obtenir avec cette dashcam Boblove N6 Plus, et je vous retrouve prochainement pour un autre test. Je vous remercie, à bientôt.